Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau journal d'un vegan. Enfin, on touche au but. Août, c'est bientôt fini. Et là, quand même, normalement, je me suis un peu engagé à vous faire un burger par mois. J'ai pas encore fait celui du mois d'août, mais rassurez-vous, je vous donne rendez-vous d'entrée de jeu à mercredi prochain, qui sera juste encore en août. Et je tiendrai donc ma promesse, juste comme il se doit. Mais bon, j'anticipe déjà. On va faire cette semaine paisiblement, sans burger, mais à plein d'autres choses. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, je vous recommande très chaudement de vous abonner. Si vous hésitez, c'est pas la peine d'hésiter. Croyez-moi sur parole, c'est la meilleure action que vous aurez fait aujourd'hui, me soutenir en vous abonnant. Et puis rendez-vous service, activez aussi la cloche. C'est fait. Alors on y va. Aujourd'hui, on va être un plus en mode unboxing, comme on dit dans le milieu, parce que j'ai refait une commande sur le site officiel Vegan Shop et donc j'ai reçu mes produits. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas recommandé chez eux. Pourtant, je dois bien admettre que le service est de qualité. J'ai passé commande, j'ai eu confirmation dans le quart d'heure et la confirmation d'envoi dès le lendemain. En gros, entre le moment où j'ai cliqué et validé mon panier et reçu la commande, il ne s'est même pas passé 48 heures. Donc je suis très content. J'ai pris bien sûr des 6000 carrelés, des choses fraîches qui sont censées rester au froid. Aucun problème sur le transport. Bref, je suis très content. Jusque-là, tout va bien. Mais laissez-moi vous montrer ce que j'ai choisi pour ces petites courses en ligne. Bon, comme vous pouvez aisément le constater, j'ai fait un petit plein de choses classiques, mais aussi des nouveautés. On va regarder tout ça en détail. Bon, alors on va essayer de compartimenter ça entre les simili carnets, les simili fromages, divers produits. Allez, partons sur le cheese. Alors, j'ai repris des choses hyper basiques dont je me sers entre guillemets au quotidien, à savoir des tranches de cheddar chez Violife, que j'aime beaucoup et font vraiment le boulot. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché à l'heure actuelle pour trouver ce côté fondant, crémeux et à la fois un peu stretch. Hein. On n'est pas non plus sur du vrai filant, mais il y a ce qu'il faut et le goût est bon, il n'est pas trop fort, il n'a pas ce côté artificiel, c'est pas trop salé. Bref, moi pour mes burgers, c'est ce type de cheddar en tranche que j'affectionne particulièrement. Et toujours chez Violife, on a ça qui est voilà, le fromage végétal râpé, original flavor, ça ne veut rien dire, c'est le plus neutre. C'est un petit goût fromager, certes, mais il est polyvalent. On n'a pas une saveur cheddar ou mozza, qui sont souvent les deux grands classiques. Là, on est sur... je sais même pas. Un emmental un peu timide. Voilà. On est sur quelque chose que j'affectionne parce que dans la cuisine, ça prend pas le pas, mais techniquement, ça fonctionne bien. Donc, à chaque fois que j'en prends, j'aime bien prendre des grands sachets parce que j'en ai une bonne consommation. Faut pas hésiter hein, à utiliser des produits comme ça dans notre cuisine du quotidien, comme n'importe qui le ferait avec du vrai fromage. Vous voyez ce que je veux dire? Pour refaire des recettes, faire un petit truc, c'est comme super pratique. Ensuite, toujours dans le rayon cheese, j'ai repris un fromage affiné de chez Vegil et c'est le camanjou à la truffe. J'ai hâte. Toujours passion truffe, le Gondino. Alors le Gondino, ça je vous en ai déjà parlé. C'est un fromage de cajou italien qui remplace le parmesan à merveille. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à ce jour. Et celui-là est aromatisé à la truffe, donc je ne l'ai jamais goûté. Donc j'ai hâte aussi. Et toujours dans l'Italie, alors ça, je ne connais pas du tout. Ce sont des boules de mozza. Voilà, qui sont assez souples sous le doigt, donc je ne les écrase pas. C'est un... encore un produit vraiment fait en Italie. Je n'ai pas plus de détails, si ce n'est que c'est censé être fondant. Donc adapté à préparer des bonnes pizzas avec quelque chose d'assez crédible dessus. Je ne vais pas me gêner. On sort des fromages, mais on reste dans l'esprit crèmerie puisque j'ai repris un sachet de ce substitut d'œuf polyvalent. Voilà,
Concrètement, vous rajoutez de l'eau, de l'huile et vous avez de quoi faire des œufs brouillés, des omelettes et des préparations à base d'œufs. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai constaté en discutant avec différentes personnes que les substituts d'œufs en poudre, bah, ça n'a pas tellement la cote. C'est pas un produit qui est utilisé, répandu, qui fait partie des classiques, des placards des gens. Alors que moi, depuis que j'ai découvert ce type-là, bah, j'aime bien en avoir. J'en fais pas excessivement souvent. Honnêtement, par rapport à l'époque où j'étais végétarien, j'ai pas la même consommation en termes de ratio en œufs. Quoi. C'est pas du tout, du tout. Mais j'aime bien. Franchement, je trouve ça super. C'est plaisant. Ça fait un peu repas de flemme. Mais une boîte de baked beans avec des œufs brouillés en végétal, bah, ça fait plaisir. Et c'est pas la même texture que ce qu'on va obtenir avec du tofu, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ça aussi, c'est bien. Ça aussi, c'est bien. Alors là, j'ai été un peu piqué de curiosité. Ceci, vegan calamari, ce sont en fait des champignons qui sont prédécoupés pour imiter des rondelles de calamar. Alors, au bruit, il y a du liquide dedans. Donc j'imagine bien que le côté pané ne sera pas au rendez-vous, que c'est plutôt une base pour que je puisse faire mes propres rondelles de calamar à la romaine, en gros. Hein. Et là, c'est Nature's Charms qui fait ça. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé il y a longtemps et qui sont spécialisés à la base sur les produits à base de coco, sachant qu'ils le certifient qu'il n'y a pas d'exploitation de singes et leur lait de coco concentré sucré est à tomber par terre. En avoir l'utilisation, mais c'est génial. Bon, c'est une marque que j'aime bien pour ce qu'ils font, et là j'étais surpris de voir qu'ils faisaient autre chose qu'un produit à la coco. Donc on verra bien, on verra bien. Ça... En attendant, c'est intriguant. Bon, alors ça, c'est pas moi qui les ai voulu, c'est Laura qui m'a dit oh, regarde ce qu'ils ont, regarde ce qu'ils ont, regardez ce qu'ils ont. Voilà, Love Row, les Nutty Choc Balls. Ce sont en gros l'équivalent théorique d'un Ferrero Rocher. Voilà. Donc je pense qu'ils sont un peu spécialisés dans dire bon bah Ferrero fait des trucs pas vegan, bah nous on va faire ça en mieux et en vegan. Voilà. Puisqu'ils ont déjà sorti des bars que Laura aime beaucoup, qui apparemment ressemblent à des Kinder Bueno. Bon, moi j'ai goûté, je trouve ça sympa, mais c'est pas mon truc. Bah, je goûterai bien sûr, hein, j'en ai pris plusieurs parce que voilà. Mais ça m'intrigue. Au moins pour la curiosité, je vais goûter. Mais j'ai pas d'attirance là-dessus. On continue, on passe aux choses sérieuses, les simili carnets. C'est la partie qui m'intéresse toujours le plus parce que ça fait mon quotidien. Donc j'ai pris des choses que je connais déjà, du moins des marques. En bref, vous allez voir. Et on va commencer tout de suite par une excellente nouvelle. Ceci. Le Black Forest Tofu de la marque Typhoon est de retour. Alors bon, si vous n'avez pas suivi l'histoire, vous allez me dire oui, donc qu'est-ce que ça veut dire voilà. En fait, c'est un tofu fumé particulier qui a un goût incroyable, une aromatisation. Alors Black Forest, tout de suite, hein, on pense à la forêt du même nom entre la France et l'Allemagne. Et oui, il y a un côté très germanique dans les goûts, dans les épices, et c'est délicieux, c'est délicieux. Ça a été pour moi et pour beaucoup de personnes le meilleur tofu fumé du marché. Et il y a eu un problème dont j'ignore la nature au niveau de l'usine, qui fait que ce Black Forest a été en rupture de stock, en arrêt, pendant, je dirais bien deux ans. Donc là, le retour est très excitant, donc j'en ai pris deux, hein, voilà. J'ai pas pu résister, et je suis très 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 content. Toujours dans les marques connues que j'affectionne, Witty, indémodable, hein, toujours, et ils ont fait ça, alors ça, je ne connais pas. Voilà. Dry Age Italian Style, bon, VG tranche milanaise en français, c'est tout de suite moins. Voilà. On est sur des tranches qui ont une certaine fibre, une teinte assez sombre. Je suppose que la mâche est assez ferme. Quand on voit Dry Age, j'imagine tout de suite quelque chose qui a plus de.
plus de résistance, on n'est pas sur du simili un peu mollasse, loin de là. Bon, de toute façon, avec Witty, je sais que la qualité est toujours au rendez-vous, mais là, ça m'intrigue beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est un renommage d'un ancien produit que j'aurais déjà goûté ou pas, parce que ça m'évoque vaguement quelque chose, mais pas la dénomination, pas la photo, et vaguement quelque chose. Donc, bah, ce sera à redécouvrir peut-être, ou à découvrir tout court. Toujours dans le côté charcuterie, j'ai pris un chorizo, parce que ça fait partie des saucissons que j'affectionne. Alors oui, ok, hein, le witty justement, c'est un petit peu mon truc à la base, j'en avais toujours. Puis je me suis un peu calmé, non pas par lassitude, mais parce que voilà, faut varier les plaisirs. Et cette fois-ci, j'ai pas craqué, parce que j'ai vu ça. Un autre chorizo, qui est d'une marque que je ne connais pas, Amala. Voilà, Amala. Et c'est marqué chorizo, c'est un sausage spicy, fabriqué où ça? En Lituanie. Tiens, intéressant. Donc voilà, on n'est pas sur un chorizo espagnol, mais lituanien. Ça veut pas dire que c'est pas bon, hein, on verra bien. Après tout, le chorizo de chez Witty, c'est du chorizo allemand, et il est délicieux. Bon, on verra, j'espère que le spicy tiendra ses promesses. Et on continue avec ceci. Alors ça, je vous en ai plus ou moins, enfin, si je vous en ai parlé, mais pas dans les mêmes circonstances. Ce sont des steaks à burger de la marque Moving Mountain, qui est une marque britannique. Et je vous en ai parlé il y a un sacré bout de temps dans le sein d'une recette, parce que on m'avait fait parvenir un de ces steaks un peu en exclusivité, parce qu'on était encore disponible que pour certains restaurateurs, et je l'avais cuisiné pour voir ce que ça donnait, et on était en pleine période du début du boom des Beyond Meat, et là ça se positionnait comme un concurrent vraiment sérieux et que j'avais trouvé très qualitatif. Et puis depuis, bon bah voilà, c'est une marque que je vois que passer en ligne quasiment. Je crois que mon épicerie Paris en vend aussi, mais c'est clairement pas une marque qui a réussi à s'implanter. En aucun cas dans les magasins standards, c'est sûr, contrairement à Beyond Meat justement. Et voilà, donc là, quand j'ai vu qu'ils avaient là la version packagée, donc grand public, je dis, ah là là, est-ce que c'est toujours aussi bien? Est-ce que la recette a évolué? Est-ce que ça va me plaire autant? Parce que j'en ai un excellent souvenir, je trouvais ça même meilleur que Beyond Meat, qui pour à l'époque n'avait aucun concurrent crédible, si ce n'est ça. Donc à voir. Toujours dans le simili bœuf machin, ça, Future Farm fait ceci, le Future Mince, et bah, c'est du haché, donc modelable. J'ai voulu prendre ça pour voir ce qu'il valait, j'ai déjà testé la forme, le format steak, j'ai testé des saucisses, j'ai testé, oh, je crois que c'est tout de chez eux. Voilà, je pense que maintenant il est temps de passer au haché. Ce que j'aime bien avec le haché, c'est de pouvoir le moduler, de faire des trucs. Enfin, bon, vous le savez. Mais comme c'est des bons produits, je me dis, allez, on va tester l'autre référence que je connais pas pour compléter ma collection de connaissances autour de cette marque. Ensuite, alors ça, c'est une marque aussi dont je vous ai parlé et qui commence à être un peu plus distribuée. Planted, c'est une marque de simili qui vient de Suisse. Et bah à l'époque, j'ai trouvé ça pas mal, mais bon, sans plus. Et surtout, par rapport au prix demandé, j'ai trouvé ça absolument exorbitant. Et on se posait un peu tous la question de mais quel est le cœur de clientèle? Tellement c'est cher au kilo, c'est pas possible. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils ont entendu raison, parce que alors c'est une marque maintenant qu'on trouve typiquement dans les monoprix. À côté de Happivore, Beyond Meat, Vegan Deli, c'est une marque qui commence à être distribuée en France avec des prix assez cousins de ce qu'on trouve dans le magasin avec leurs voisins, hein, dans le rayon. Donc voilà, ça y est, on arrive à quelque chose d'accessible et plus aussi déraisonnable. Par contre, j'en ai entendu beaucoup plus de bien depuis en termes de qualité. Apparemment les recettes ont évolué et je me suis dit bah pourquoi pas, je vais prendre la version la plus simple, les émincés nature. Donc hein, concrètement on est sur des petits morceaux simili poulet,
Et ben voilà, à cuisiner, je pense que c'est chouette. Et on va voir au niveau de la texture, du goût, ce que ça vaut. Moi, ça m'intéresse bien de voir comment une marque que j'ai déjà pu goûter a pu évoluer. Positivement, j'espère. Et donc, si vous avez un peu noté ce que j'ai pris, vous vous direz, mais ça manque quand même cruellement de saucisses, cette histoire. Mais vous avez raison. Et j'ai pris des saucisses quand même. Alors, c'est ceci. C'est ceci, les saucisses. Les mini grillers, c'est des saucisses de la marque Fantastic Food. Et là, j'ai été très surpris parce que je ne savais pas que Fantastic Foods faisait des petites saucisses. Pour moi, c'est une marque que je connais depuis très longtemps pour les protéines de soja texturées que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils font aussi des simili de temps en temps, mais c'est pas facile à trouver. Et puis, c'est jamais très très fou de ce que j'ai pu goûter. Peu de choses d'ailleurs. Mais ils avaient aussi du chocolat blanc, enfin des trucs. Ouais, c'est comme une marque qui fait beaucoup de choses, plus qu'on ne le croit. Et là, je me dis, tiens, c'est sympa. Alors, c'était en promo, je dis, allez, je les prends, on verra ce que ça vaut. C'est pas une marque, justement, sur les simili, qui est un gage de qualité, d'après mon expérience, mais on verra bien. En attendant, par rapport à la semaine dernière où je vous parlais des petites saucisses de chez Aldi, quand je l'ai reçu, je me dis, oh non, ne dis pas que c'est des saucisses Aldi qui ont été, ou que Fantastic Food fait les saucisses qui sont vendues chez Aldi sous la marque Aldi. C'est possible. Et finalement, bon déjà, c'est pas la même texture, c'est beaucoup plus ferme que les autres, rien à voir, c'est même visuellement, voilà, on est sur le même calibre, mais c'est tout ce qui... Ça s'arrête là au niveau de la comparaison. Par contre, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 8 saucisses. 8 saucisses. Donc on n'est même pas sur le même packaging. Voilà, donc tout va bien. Hâte de goûter. Voilà donc pour ma sélection de produits, ce petit unboxing officiel Vegan Shop. Je trouve que c'est super chouette d'avoir accès à des produits que même moi en tant que Parisien, je trouve pas facilement. Et de me les faire livrer. Alors, c'est quelque chose que je fais assez rarement, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Et moi, à chaque fois, je pense à tous ceux qui, comme vous peut-être, n'avez pas accès à des magasins vegan à une distance raisonnable et qui devaient se contenter de ce que vous trouvez. L'idée de pouvoir commander en ligne dans une épicerie vegan, je trouve ça tellement salvateur, tellement utile que je suis toujours étonné de voir souvent dans les commentaires des gens qui disent qu'ils commandent jamais en ligne pour faire leurs courses, alors que c'est tellement pratique et ça donne tellement plus de choix, de possibilités et finalement peut-être même atténuer certaines frustrations de vivre dans des régions où il n'y a pas grand chose et pouvoir découvrir les produits comme tous les autres c'est chouette. Alors oui, je sais, il y a toujours l'histoire de des frais de port, du stockage, potentiellement de devoir faire des commandes groupées, et puis c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, je sais, c'est pas toujours évident pour tous, mais quand même, c'est super appréciable de se dire que il suffit d'aller sur internet pour faire ses courses et d'être livré chez soi. Même si c'est pas parfait, c'est quand même mieux que rien du tout. Enfin, à mon sens. Cette semaine sur Netflix, j'ai regardé une série hollandaise. Oui, messieurs, dames. Oui. C'est assez rare de voir des productions hors des États-Unis, de l'Angleterre, de la France. Et puis bon, les trucs asiatiques hein, dont je suis friand. Mais là, j'avoue que le sujet était suffisamment coquin pour m'attirer. À savoir que cette série s'appelle Dirty Lines et c'est finalement l'épopée de la création du téléphone rose aux Pays-Bas. Et c'est très drôle. C'est une mini-série qui prend place dans les années 80, enfin la fin des années 80 et à Amsterdam avec toute l'ambiance, l'effervescence de cette période, à savoir les débuts de la techno, de l'acid house et ce genre de choses, des rave parties et des clubs. Donc
Il y a tout ça qui se mélange, il y a un changement de mentalité et on va suivre l'expérience finalement d'une étudiante en sexologie qui se retrouve à postuler pour faire des enregistrements audio dans cette entreprise et très très mauvaise. Mais finalement, elle a un autre talent qui va être de pouvoir aider à créer des scénarios érotiques. Voilà. Donc, c'est pas une série sérieuse. Je pense que ça retrace quand même de peu la réalité de cette ambiance de l'époque. Mais on se marre bien. On se marre bien. Il y a quelques réflexions assez intelligentes d'ailleurs sur le fond, parce qu'il y a toujours ce regard un peu caméra de temps en temps pour faire une sorte d'aparté. C'est quelque chose qui est rarement utilisé sauf dans les séries un peu comiques. Et là, c'est pas comique, mais ça reste fun. Donc, ces petites apartés, elles sont toujours assez bienvenues parce qu'elles ont du sens. C'est pas juste pour faire un effet. Les acteurs sont bons, l'ambiance est bonne, c'est très chouette et j'ai passé un très bon moment. Alors, c'est vraiment une mini-série, 6 épisodes et c'est clos. Il n'y aura pas de seconde saison, enfin, il n'y aurait pas de sens, à moins qu'ils veuillent nous faire la suite avec le Minitel Rose en France. Mais bon, là, je pense que c'est plus la même équipe, c'est plus la même production, c'est plus la même idée. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était ma recommandation de la semaine. Alors oui, vous me direz, c'est pas la première fois que je vous emmène chez Back in Black. Ce qui est normal, parce que c'est pas la première fois que je viens. Je viens un peu tous les jours. Mais si je vous en parle encore une fois, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a une évolution positive et j'avais très envie de partager ça avec vous. Alors vous le savez à force, j'adore les coffee shops, j'adore me poser dans ce type d'ambiance pour boire un bon café de spécialité. Mais qu'est-ce qui manque à l'expérience, généralement, c'est cet instant où on se pose et où on peut grignoter un truc. Enfin, du moins quand on est vegan. Ça est plutôt problématique de manière globale. On peut avoir des établissements excellents sur le café et rien à grailler. Bon, la frustration forcément, c'est son paroxysme. Et bah, Back in Black avait fait de gros efforts fut un temps et puis il y a eu un truc qui s'appelle le confinement et il y a eu des changements et puis depuis, bah, plus rien. Voilà, alors j'étais un petit peu déception, vous imaginez, mais heureusement, aujourd'hui, alléluia, une grande nouvelle, un cake marbré vegan est là sur la table. Regardez-moi ça. Oh oui, oh là là. Une bonne grosse part de cake marbré. Alors on est sur des grands classiques, on a de la vanille et du chocolat. Rien d'extravagant, mais qu'importe. Ce qu'on veut, c'est un truc qui est bon, qui fait plaisir. Et tant qu'à faire, ce genre de pâtisserie très classique, autant qu'elle soit réconfortante et qu'elle corresponde à certains codes que l'on attend. On ne cherche pas l'originalité, on ne cherche pas à surprendre. On cherche plus à se rassurer. Et ça a l'air bien parti. Allez, pan dans le bec. Ouais. La promesse est tenue. On est sur un cake très tendre, légèrement gras gourmand sous la dent, avec cette petite croûte légèrement presque caramélisée. Bon, il n'y a pas de caramel, mais vous voyez cette résistance très fine, un peu sucrée. C'est délicieux. Le chocolat est assez doux, la vanille est bien équilibrée, c'est sucré comme il se doit. En fait, quand je vous parlais tout à l'heure d'un côté très classique et réconfortant, on est exactement dans ce code. On a un bon cake marbré et je pense qu'on ne vous dirait pas que c'est vegan, vous ne pourriez pas l'imaginer. C'est très bien fait. Ben, je suis content. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. C'est simple.
mais c'est bon. Et moi, j'aime quand c'est bon. Ça marche très bien. Moi, c'est pas une surprise, c'est une confirmation. Moi, ce que je trouve important dans les pâtisseries qui sont proposées dans des coffee shops, c'est que ce soit harmonieux avec le moment de dégustation du café, que ça se parle, que ça se conjugue, pas simplement d'avoir une sorte de séparation dans la dégustation, être obligé de prendre un verre d'eau pour se rincer, pour pas perdre un intérêt sur le café qui est très bon ou le gâteau qui est très bon. Là, non, ça marche bien, c'est harmonieux. Donc, bah, je valide. Voilà, je valide. A priori, si tout va bien, c'est un gâteau marbré que vous allez trouver toute la semaine à la carte, disponible. C'est pas un produit saisonnier, c'est pas un essai de ce qu'ils m'ont dit. Ils ont travaillé dur pour réussir à avoir quelque chose qui soit satisfaisant par rapport à la qualité générale de l'établissement. Et j'avoue, le résultat est probant. Et donc, ça va rester. Donc, n'hésitez pas, si vous passez du côté de Bastille, rue Amelot, à passer prendre un très bon café et avec un bon morceau de cake marbré réconfortant comme il se doit. Bah, vous savez quoi? La semaine dernière, quand je vous ai présenté la chaîne YouTube Nemo's Dreamscape, ça m'a donné envie de rejouer à BioShock. Voilà. D'en parler, d'avoir réévoqué ce souvenir, j'ai eu envie de le réinstaller et d'y rejouer. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce jeu, enfin de ce jeu, de cette série de jeux, parce que très honnêtement, c'est une des œuvres vidéoludiques que je trouve les plus magistrales. C'est un souvenir toujours vivace et c'est un jeu que je vais refaire comme je regarderai à nouveau un bon vieux film qui est devenu un classique du genre et qui fait toujours autant plaisir, qui fait toujours autant vibrer par la qualité de sa réalisation. Et BioShock, c'est exactement ça. Concrètement, je vous explique un peu le contexte. Déjà, c'est un jeu dit de tir à la première personne. Voilà, donc vous allez avoir un personnage qui évolue dans les méandres du jeu avec une arme à la main, vous voyez juste les mains devant, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Ceux qui connaissent vont dire oui, bon, on sait, mais oui, ok, mais tout le monde n'a pas les mêmes connaissances en jeu. Donc vous allez déambuler dans les couloirs d'une ville qui s'appelle Rapture, et Rapture est très particulière. Le contexte est le suivant. Le jeu prend place dans les années 60 et après le crash d'un avion dans l'océan Atlantique, vous vous retrouvez à nager vers le seul espace sûr, à savoir une petite île sur laquelle il y a un phare. Quand vous rentrez dans le phare, vous êtes accueilli par quelque chose de très inattendu, à savoir une grande statue dorée avec un message un peu énigmatique. Et il n'y a pas d'autre choix que de rentrer, parce que de toute façon vous êtes seul, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de bateau, enfin il n'y a rien, il n'y a même pas de radio, enfin on n'est pas en mode survie sur le dire bon je peux faire autre chose, bon ok. C'est le scénario, il va falloir le suivre à un moment ou à un autre. Et très honnêtement, c'est un jeu où le scénario vous prend par la main. Mais c'est pas grave, parce que c'est un jeu extrêmement narratif et ça en vaut vraiment la peine de sacrifier cette illusion de la liberté de pouvoir faire tout et n'importe quoi au profit d'une histoire qui va filer toute seule, même si, franchement, quand on est dans l'ambiance, on ne sent pas trop ce côté... Il n'y a pas le choix de le faire les actions. Non, ça marche bien, ça marche bien. Donc vous allez descendre les escaliers dans ce phare et vous retrouvez face à un bathyscaphe. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un bathyscaphe? Bah, imaginez une sorte de petit sous-marin hein, qui descend sous la mer. Enfin, en gros. Donc un ascenseur sous-marin, ce serait le plus proche. Vous allez vous retrouver donc à descendre longuement, très longuement, dans ce bathyscaphe. Et une voix par la radio à l'intérieur du bathyscaphe va vous informer que, en gros, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, que
la personne qui vous parle a besoin d'aide pour sauver sa famille et qu'il va l'aider à se retrouver dans ce dédale et l'aider à survivre finalement pour pouvoir lui l'aider en retour. Donc il n'y a pas trop le choix finalement, on est tout seul encore une fois. Et là vous êtes face à des créatures parce qu'on est comme sur un jeu d'action et il y a toute une histoire. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que, bien sûr, c'est le genre de jeu où vous allez tirer sur tout ce qui bouge, récupérer des munitions, trouver votre chemin pour aller au niveau suivant. Depuis le premier Wolfenstein, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça marche, et c'est le plaisir qu'on en retire. Mais là, il y a une autre dimension, et je vais y venir. L'idée de Rapture, c'est le concept d'un milliardaire mégalomane qui décide de construire une cité idéale à l'abri de toute influence extérieure pour permettre la liberté absolue d'entreprendre, de créer et de vivre sans avoir à répondre à des lois de gouvernement, à des religions, à la morale. Tout simplement. On est sur vraiment un concept libertarien extrême. Et donc, Rapture, c'est l'incarnation de cet idéal. Une cité sous-marine à l'abri des regards où une communauté, a priori d'élite, va pouvoir s'épanouir selon leurs propres règles, avec leurs propres desseins. Donc, une ville très utopique. Et bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Eh oui. Tout ça, on va découvrir au fil de l'histoire à cause des personnages qu'on rencontre, bien sûr, mais surtout grâce à des enregistrements qui sont disséminés à travers la ville. Et c'est très important justement de prendre le temps d'écouter chaque bande enregistrée qu'on va trouver, parce que ça raconte une des parts de Rapture. Alors bien sûr, on trouve aussi des indices, typiquement des codes de porte, ou l'idée que si on va dans telle section, on va pouvoir trouver tel objet. Enfin, il va y avoir des choses pratiques, mais c'est surtout enrobé d'une véritable histoire qui est vraiment cohérente et prenante. On va découvrir la chute, le déclin de Rapture et pourquoi on se retrouve à ce moment-là dans une sorte de ruine qui prend l'eau, et c'est qu'à le dire par endroit, habitée par des créatures humanoïdes appelées des chrosomes, qui sont des êtres qui ont muté à cause d'injections de plasmides. Et les plasmides, ce sont une sorte de pouvoir que les gens s'injectent pour pouvoir développer d'autres compétences. Sauf que finalement, pour entretenir ces plasmides, il faut une substance nommée l'Adam, et l'Adam est extrêmement addictif. Donc, en gros, c'est peuplé de junkies qui résonnent en mode zombie avec des pouvoirs pas forcément très cool et qui voilà, vous prennent pour un intrus parce qu'ils disent que vous avez peut-être de la dent sur vous, hein, ça se résume un petit peu à ça. À côté de ça, il y a toute la folie mégalo de tous les personnages principaux qui gèrent différentes sections de la ville, un peu comme des boss de fin de niveau, hein, si vous voulez, mais c'est très bien articulé et on le ressent vraiment pas comme ça finalement. Le jeu est immersif, on y croit. La qualité des textures, des lumières, de la musique, hein, on revient toujours à ça, fait que Rapture est un endroit hypnotique dans lequel on croit. Quand on y joue, on y croit, on est vraiment dedans. Comme un bon film, on est happé par l'univers qui a été développé. Ce qui est assez unique, je trouve, dans le jeu vidéo. Alors, il y a plein d'exemples, mais celui-là, pour moi, c'est celui qui m'a le plus touché à ce jour. Et pourtant, c'est un vieux jeu, croyez-moi. Le premier BioShock est sorti
en 2008. Rendez-vous compte. Heureusement, depuis, il y a eu un BioShock 2 et un BioShock qui n'est pas un BioShock 3, c'est BioShock Infinite qui... C'est une autre histoire, c'est un autre univers puisqu'on n'est plus sur Rapture, contrairement au BioShock 2, on est sur une cité volante dans les nuages, donc dans un univers complètement steampunk. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est très bien, hein, mais c'est pas Rapture. Et pourtant, il y a un lien énorme en termes de scénario qu'on va découvrir au fil du jeu. Mais c'est une autre histoire. Revenons à BioShock, le premier qui est le quand même fondateur de cette histoire presque mythique. Vous allez donc évoluer dans Rapture et effectuer des missions pour certains protagonistes afin de pouvoir débloquer votre passage vers une autre section de la ville. Et vous verrez bien. Mais à un moment, vous allez vite comprendre qu'il y a autre chose que les chromosomes. Il y a des petites filles aux yeux rouges qui, armées d'une sorte de grosse seringue, sont en train de prélever la dent sur les cadavres. Et elles sont protégées par une sorte de gros scaphandrier avec des grosses armes autour, enfin un protecteur. Et ça, c'est une autre paire de manches à combattre. Vous allez donc vous retrouver avec une sorte de deal. Soit vous réussissez donc à vous débarrasser du protecteur et la petite fille, soit vous la tuez pour récupérer tout la dent qu'elle a sur elle pour en profiter vous-même, soit vous décidez au contraire de les sauver. Et elles vous récompenseront par la suite en vous donnant d'autres accès à d'autres possibilités sur la dent et sur tous les pouvoirs. Deux scénarios différents avec deux enjeux moraux différents, puisqu'on vous fait bien comprendre que ces petites filles sont pas des saintes. Alors c'est plus compliqué que ça, mais voilà, c'est pas si évident de dire bah non, on va pas tuer une petite fille. Non, c'est présenté d'une certaine manière comme si c'était vraiment des monstres extrêmement dangereux. Donc chacun jouera selon son envie, c'est même toujours intéressant finalement de refaire le jeu avec différents engagements moraux, ce que j'ai fait bien sûr, ce qui donnera d'autres trames dans l'histoire par la suite. Mais ça, voilà, il faut le faire pour le comprendre. Vous l'aurez compris, c'est un jeu, je pourrais en parler des heures parce qu'il m'a passionné, il m'a envoûté et je sais pas même combien de fois je l'ai refait. Tellement c'est bon, et que quand on commence à être très attentif au moindre recoin, au moindre détail, on découvre à chaque nouvelle partie quelque chose qu'on ne savait pas et qui vient enrichir le propos et l'histoire. Pour ce qui est de BioShock 2, je vais quand même faire un petit aparté, je le trouve un tout petit peu moins bon que le premier, mais bah, je chipote, on va dire. Et dans le 2, vous allez incarner un des protecteurs de petites filles. Et là, il y a toute une autre histoire, toujours dans Rapture, avec d'autres enjeux. Et c'est cohérent, c'est totalement cohérent avec le premier. Le troisième, comme je vous l'ai dit, ça se passe ailleurs et il y aura un lien. Ça, j'en parlerai pas. J'ai cru comprendre qu'un quatrième BioShock était en projet de production, mais on n'a pas plus d'infos, donc on verra bien. À savoir que c'est un jeu qui est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Donc moi je suis sous Mac, oui, on peut jouer sous Mac à BioShock, ce qui est quand même une rareté, faut le soumettre. Vous trouverez ça sous Windows, vous trouverez ça aussi sur PlayStation, Xbox et même sur Nintendo Switch. Ouais. Ils ont sorti une édition remasterisée il n'y a pas très longtemps, ce qui permettait aux gens de redécouvrir le jeu avec quand même un moteur un peu plus contemporain et des textures plus belles, parce que vous imaginez bien qu'un jeu de 2008 en 2022, ça peut piquer un petit peu au niveau des yeux et des angles des personnages, donc c'était pas un mal. Et donc les versions remasterisées sont disponibles et fonctionnent à merveille, même sur des machines relativement modestes. Donc c'est plutôt chouette, tout le monde va pouvoir se livrer
sa donnée à BioShock selon la machine qu'il souhaite. Je vais conclure pour vous renvoyer à l'excellente vidéo de la chaîne Alt236 qui a fait, le truc qui dure 1h30, 2h et on s'ennuie pas parce qu'il va vraiment dans le détail expliquer l'univers bien mieux que moi. Donc si j'ai réussi à aiguiser votre curiosité, allez sur sa chaîne pour voir sa vidéo et vous le regretterez vraiment pas. C'est génial, c'est génial. Et il y a un autre pan de l'univers BioShock auquel je tiens beaucoup, c'est qu'ils ont fait un roman. Et ce roman est, pour une fois, excellent par rapport à l'univers du jeu. Parce que souvent, hein, les livres tirés de jeux vidéo, c'est un peu pathétique. C'est jamais très qualitatif. Et là, c'est une rare exception. Le roman prend place sur l'avant du jeu. C'est une sorte de préquel. On va nous expliquer justement qui est le milliardaire qui a construit cette cité sous-marine, quelle est sa vision, pourquoi il fait les choses. Et le roman lui-même, c'est l'histoire de la fondation de Rapture et une vision interne de la vie au quotidien avec les intrigues et qui vont mener à sa chute là où le jeu commence. Donc c'est excellent et quand on a adoré les jeux, je trouve que c'est une lecture qui est quasi nécessaire pour raccorder l'ensemble et ça fait le lien et comme par magie, tellement de choses s'éclairent de manière très plaisante, surprenante parfois. Et à la fin de la lecture de ce roman, je vous avoue que j'avais rejoué pour remettre en circonstance les mots sur les images en me disant « Ah putain, ce tel détail, je ne l'ai pas vu. » Et effectivement, il est là, très discret, mais presque émouvant. Donc ouais, voilà, BioShock et moi, c'est une grande histoire d'amour et j'avais vraiment, vraiment très envie de partager ça avec vous. Mais dites-moi, vous, est-ce que vous connaissiez BioShock? Est-ce que vous avez joué à BioShock? Est-ce que vous avez aimé et trippé sur BioShock? Dites-moi en commentaire, échangeons sur ce sujet. Je serais curieux d'avoir votre avis, même si objectivement, toutes les personnes que je connais qui ont mis leur doigt dans ce jeu ont adoré l'expérience. En début de semaine, je partageais donc avec vous ma grosse commande sur Official Vegan Shop et parmi les denrées, il y avait effectivement quelque chose d'assez gourmand qui devrait plaire à énormément de monde que j'avais pris pour Laura, pas pour moi, mais que je me dois de goûter. Et ce produit, le voici, le voilà. Voilà. Nutty Chuck Balls. Love Row. Alors, tout de suite, hein, on voit sur l'emballage, hein, on voit très très bien que ça ressemble à des Ferrero Rocher. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'intention. La noisette au milieu, la crème au chocolat, la gaufrette, la couche de chocolat plus dure avec les éclats de noisette. Là, tous les codes visuels y sont. Et c'est intéressant parce que finalement, dans ce genre de friandises, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours trippé sur les produits Ferrero, même si c'est pas la meilleure qualité du monde, loin de là, mais entre Kinder, Nutella et les Rochers, voilà, c'est une institution, on peut pas les contourner, ça existe. Sauf que eux, ils n'ont jamais rien fait de vegan. Et je pense que c'est pas demain la veille qu'ils vont s'y mettre. Donc, Love Row, on sait qu'ils ont déjà fait des trucs qui ressembleraient a priori à des Kinder Bueno, certes. Et là, maintenant, voilà, je pense que l'inspiration, elle n'est pas fortuite. Hein. Donc, je vais goûter ça pour vous. Sachant que j'ai pas une attirance particulière pour ça. Ni à l'époque pour les Ferrero Rocher. Je dis pas que j'aimais pas ça, mais c'est pas quelque chose que j'aurais acheté ou je me serais pas tapé une boîte. C'était un comme ça, c'est sympa, puis je passais à autre chose. Mais j'ai pas un affect particulier, donc gardez bien ça en tête au moment de mon test. Parce que si vous, au contraire, vous trépignez d'impatience de pouvoir goûter une version vegan, votre seuil émotionnel ne sera pas le même que le mien. Mais trêve de bavardage, on va déballer et découvrir. Allez,
dissection. On va ouvrir ce paquet et voir comment c'est à l'intérieur. Oh bah. D'accord. Bon. Donc ce sont des emballages individuels pour les deux boules. Alors ça, déjà en termes de sur-emballage, je suis pas super ravi. Après, est-ce qu'on peut appeler ça du sur-emballage? Est-ce que c'est pas l'emballage nécessaire pour pouvoir les conserver correctement? Je ne sais pas. Souvent, il y a des raisons techniques qui nous échappent et la bonne pensée se dira, oh, ils auraient pu faire un effort et pas forcément si simple. Bon, ben bon, bref. Voyons à l'intérieur. Oh, ok. Ouais, bah visuellement, on n'est pas loin. Bon, sincèrement, je trouve qu'il y a un côté un peu plus rustique, un peu plus artisanal. Ça aurait été fait à la maison, j'aurais dit ok, c'est très bien. Mais c'est pas la même finition, la même perfection qu'un Ferrero Rocher, qui est bah, forcément à une autre échelle industrielle. Hein. Mais au niveau du process, c'est plus régulier. Là, c'est un peu brut. On voit que la répartition de la noisette n'est pas forcément équitable partout. Il y a beaucoup d'irrégularités. Ça colle au doigt. Mais bon, qu'importe. Hein. Une fois dans la bouche, il n'y paraîtra plus. Allez. Voilà la boule. Et déjà, je sens que ça fond entre les doigts. Bon, bah, je vais essayer de le faire en deux pour voir à l'intérieur. C'est petit, c'est difficile. Bon, c'est conforme à mes attentes. Hein. Ouais. C'est bien fait. Objectivement, c'est totalement raccord avec mes souvenirs, certes lointains, mais souvenirs quand même, des Ferrero Rocher. On est sur les mêmes codes, la noisette entière qui est bien croquante, cette pâte de chocolat noisette à l'intérieur qui fait penser à un Nutella un peu plus solide, la gaufrette qui est croustillante mais légère, quoi, elle ne s'impose pas, elle fait juste un jeu de texture. Effectivement, cette couche en chocolat qui est un peu fondante. On peut penser à avoir une serviette ou avoir un robinet à côté de vous, parce que sinon, ou alors vous mettez directement dans la bouche, sans attendre. Moi, j'ai peut-être été un peu présomptueux, surtout avec la chaleur, mais ça passe. Et les petits éclats de noisettes, bien sûr, pour faire le rappel avec le cœur. Donc, toute la structure, elle est conforme. La sensation en bouche, pour moi, elle est identique. Le goût aussi. La sucrosité aussi, pour moi, c'est un peu trop sucré. Voilà, c'est vraiment le côté confiserie, hein. C'est pas le côté pur du chocolat et de la noisette, on a vraiment un ajout massif de sucre, ce qui n'est pas désagréable, mais moi ça me parle un peu moins, mais un seul ça me suffit, hein. Je suis pas sûr de prendre la deuxième boule après cette vidéo, hein. Je vais peut-être la remettre au réfrigérateur pour la stabiliser et manger plus tard, mais je suis pas déçu parce qu'effectivement, c'est conforme à ce que j'ai en tête et à mes attentes et ce que je projetais sur le paquet. Donc ça, c'est super. Et si vous avez cette nostalgie, eh bien, réjouissez-vous. Voilà, ça existe, c'est possible. Alors, c'est disponible, bien sûr, en ligne sur Official Vegan Shop, puisque c'est là que j'ai trouvé. Mais je crois en avoir déjà vu chez Vegami et je pense aussi mon épicerie Paris. Je me trompe peut-être. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous, dans vos épiceries véganes de vos régions, vous trouvez quelque chose. C'est un bon plan de pouvoir goûter un petit douceur comme ça de temps en temps. Ça fait vraiment, vraiment plaisir, même si c'est du superflu, on va pas se mentir. Mais le plaisir, c'est essentiel. Donc on peut pas dire que c'est un superflu. Je sais pas. On va rentrer dans une autre dimension philosophique, mais je vais m'arrêter là. Parfois, je suis vraiment étonné et épaté par la qualité de proposition des recommandations de YouTube. Cet algorithme est quand même magique. Il faut quand même reconnaître qu'il fait des croisements entre différents centres d'intérêt pour réussir à titiller la curiosité pour aller voir d'autres chaînes auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui sur YouTube, la chaîne que je vais vous recommander. Je viens de la découvrir
et je trouve ça absolument charmant. La chaîne s'appelle très simplement Sage Lileyman et c'est une jeune femme qui propose un tour dans son univers vintage et elle va, à travers différentes expériences qu'elle partage, essayer de retracer l'ancien temps. Et là, je me dis quand même, la semaine dernière, je vous parlais de musique d'ambiance années 30, 40, 50. Je pense que le lien vient de là, parce que elle est effectivement dans cette période historique et elle va retracer des choses assez surprenantes comme une semaine dans la vie d'une femme au foyer en 1950 ou deux jours dans la vie d'une femme au foyer en 1940 durant la guerre. Et elle se prête à l'expérience, alors ça va dans le vestimentaire, mais elle va respecter un petit peu les codes de l'époque. Alors, on voit qu'elle s'est vraiment renseignée, utiliser si possible le matériel, voire certains produits qui existaient déjà à l'époque, se conformer à certaines règles culinaires, à savoir reproduire les plats selon la disponibilité des produits censé être justement dispo à l'époque. Il y a vraiment un vrai travail de fond et c'est passionnant. Alors c'est très léger, on n'est pas sur quelque chose qui essaye de faire la reconstitution extrêmement pointue. Il y a un côté très ludique, pas prise de tête, et c'est toujours marrant de la voir faire des petites apartés au sein de ses vidéos pour dire que bon, quand même, hein, c'est pas si simple. Alors, typiquement, il y a une vidéo où elle passe la journée dans une tenue typique des années 50 et elle porte des petits talons. Autant dire qu'au bout d'un moment, elle a commencé à dire « Ouais, c'est dur toute la journée, je commence à avoir mal aux pieds. » Et puis, à un moment, elle le portait un peu en dérision. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Bref, elle va parler de plein de choses super intéressantes. Si vous intéressez à l'histoire de la mode, à l'histoire des mœurs, vous avez envie de voir un petit peu de légèreté tout en abordant des sujets de manière sérieuse et étudiée, je trouve que cette chaîne est géniale. Donc moi j'ai continué à fouiller, m'enrichir, peut-être qu'à un moment je vais même m'abonner, je ne l'ai pas fait encore, hein. J'ai regardé 3-4 vidéos, je me dis waouh, c'est vraiment chouette, et puis on verra bien, mais si vous intéressez à ce type de sujet, je pense que vous ne serez pas déçus. Bon, sincèrement, j'étais parti pour me préparer un dalle. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi faire toujours la même recette? Pourquoi pas essayer un truc? Allez, on va essayer un truc. Parce que j'ai aussi un petit fond de 7 ans que j'avais envie de finir. Et puis, si je mettais du curry thaï, des légumes, pas un dalle quoi. Un plat avec des lentilles corail. Finalement, on change d'objectif. Mais je pense qu'on va bien se régaler.
pas pour vous, hein. Mais je sens qu'on va se mettre bien là. Ça sent très bon, ça a l'air top. C'est un peu ce que j'avais en tête, donc jusque là, tout va bien comme on dit dans le milieu. Ah oui. Alors, c'est marrant parce que cette idée initiale de faire un dalle, ben je le retrouve quand même hein, dans cette texture, dans cette lentille fondante qui fait le lien avec les autres ingrédients. Certains goûts aussi, mais il y a une toute autre identité. Franchement, c'est succulent. J'ai bien fait de suivre mon instinct. Ouais. D'ailleurs, je vous invite vraiment à plus souvent suivre votre instinct en cuisine et pas avoir peur d'expérimenter même des choses. Vous dites, oh, peut-être pas, je sais pas. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Alors, bien sûr, avec l'expérience, il y a des idées qui peuvent vous paraître d'entrée de jeu totalement saugrenues. Et vous savez que vous allez vers l'échec. Donc, ok, un peu de sagesse malgré tout. Mais si vous ne savez absolument pas, vous mettez les pieds, c'est peut-être par là qu'il faut aller. En tout cas, oui, je vais me régaler. Il est donc temps de conclure ce journal. Mais avant tout, juste un petit bonus série, parce que je vous parle régulièrement de nouvelles séries que je découvre. Et puis, le temps passe, et parfois, il y a des nouvelles saisons. Alors déjà, il y avait deux séries que j'avais beaucoup aimées, que je vous ai recommandées, comme Umbrella Academy ou encore Lock and Keys. Eh bien, ce sont deux séries qui sont finies. Il y a eu des nouvelles saisons, et il y a une vraie fin. Et ça, ça fait plaisir. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est toujours très frustrant d'avoir une série qu'on aime bien, et soit les nouvelles saisons traînent à venir, soit en fait elles sont carrément arrêtées, ce qui est toujours excessivement agaçant et frustrant. Donc là, celles-ci, si vous ne les avez pas commencées en attendant potentiellement d'être sûr que ça se finisse, rassurez-vous, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Je conclue donc sur les traditionnels pouces que vous devriez m'avoir laissés. Je remercie aussi du fond du cœur ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, merci à vous, merci à ceux qui le font depuis si longtemps, car je sais qu'il y a des fidèles au poste. Vous avez aussi toujours l'outil Merci en barre d'infos si vous souhaitez vous simplifier la vie, c'est valable. Et puis la manière de soutenir mon travail, la manière la plus efficace et gratuite, c'est de partager sur vos réseaux sociaux, de laisser des commentaires, etc., etc., de faire vivre la vidéo. Donc, je vous remercie par avance. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss !